On va imaginer que tu as besoin de... tu voudrais compter le nombre de jours qui se passent jusqu'à ton anniversaire. Donc aujourd'hui tu me fais un trait comme ça, demain tu fais un autre trait, ensuite un troisième trait. Chaque jour tu fais un trait comme ça. Voilà. Alors tu continues à faire des traits, et puis... Bon voilà, je, je fais un certain nombre de traits comme ça et puis ad admettons que là, ce dernier trait là, ce soit celui que tu as fait le jour de ton anniversaire. Alors après, si tu veux, tu peux compter, hein, recompter tous les traits pour savoir combien de jours tu as dû attendre ton anniversaire depuis le moment où tu as fait des traits là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, il y a 16 jours qui se sont écoulés depuis le moment où tu as commencé à faire des traits jusqu'au jour de ton anniversaire. Voilà, c'est une manière de faire hein, qui, qui marche. Et d'ailleurs, c'est comme ça que on commençait à faire les êtres humains il y a très longtemps. Hein. On commençait à, à compter euh, en faisant des traits comme ça. Alors, tu peux continuer si tu veux. Tu peux continuer à compter. Alors, tu fais d'autres traits comme ça. Voilà. Et ça marche, hein puisque après, le jour où tu as besoin de... tu as terminé et tu veux compter

Peut-être que toi, si tu, si tu étais un homme préhistorique, par exemple, tu n'utiliserais sûrement pas ce mot 37. Hein, mais bon, tu, tu nommerais euh, ce nombre-là d'une autre manière. En tout cas, voilà. Là, tu as une manière d'écrire ce nombre et de pouvoir ensuite euh, compter. Bon, c est, c est... Alors le problème, c'est que c'est un petit peu long à faire, hein, parce que déjà, il faut faire tous les traits, et ensuite, il faut les, tous les compter. Donc ça prend du temps, et puis en plus, ça prend pas mal d'espace. De, hein. Si tu regardes là... Il y a seulement 37 traits, hein, ce n'est pas un nombre très très grand, et pourtant ça prend déjà pas mal d'espace. Donc ça, ça marche, mais c'est quand même pas un moyen très très pratique de représenter les nombres. Alors ce que tu as envie de faire, euh, moi en tout cas ce que j'ai envie de faire si je vois ça, c'est de trouver quelque chose de, de plus pratique, de plus facile à écrire, et aussi de plus facile à, à visualiser, parce que là, pour, effectivement, pour voir combien de, de traits il y a, tu es obligé de les compter, hein, c'est pas facile de faire autrement. Alors ce que tu peux faire par exemple, c'est te dire, ben, je vais commencer par les grouper. Et c'est comme ça qu'on commençait à faire les premiers hommes aussi. Ils ont commencé à faire des groupes de traits. Alors toi par exemple, tu as 10 doigts, comme moi, on a tous les deux 10 doigts. Donc on peut se dire, ben, on va faire déjà des, des groupes de, de 10 traits. Alors là c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais compter combien de groupes de 10 traits il y a là-dedans. Et puis après je regarderai combien il y a de traits que j'ai pas pu regrouper. Alors je vais un premier groupe de 10 traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc là ici ça c'est un premier groupe de 10 traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voilà c'est ça alors maintenant je continue je vais essayer de faire un autre groupe de 10 traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc là j'ai un autre groupe de 10 traits ça allait jusque là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai un autre groupe de 10 traits. Tout ça. Et puis ensuite, il me reste. Alors, je crois que je ne peux pas faire un autre groupe de 10 traits. Hein, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc finalement, là, en fait, j'ai 3 groupes de 10 traits groupes de 10 traits et puis il me reste ces, ces 7 unités là. Alors tu vois là que quand on fait ça, c'est beaucoup plus facile de voir combien il y a de traits en tout ici puisque on peut très bien se dire bon ben là j'ai 1, 2, 3 groupes de 10 traits et puis j'ai ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits. Donc ça c'est déjà quelque chose de vraiment pratique, on voit beaucoup plus facilement qu'est-ce que c'est que ce nombre là. Et en fait, bon, bah, si tu utilises les, noms, les, les mots qu'on utilise aujourd'hui, tu pourrais tout de suite dire, bon ben bah, là j'ai trois paquets de 10, donc j'ai 30 plus ces 7 qui sont là, donc ça fait 37. Voilà, et c'est exactement ce qu'on fait en fait dans notre, quand on utilise notre système de numération et quand on, on utilise nos, nos 10 chiffres. Alors les 10 chiffres qu'on utilise, ce sont ceux-là. Hein. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on ne se rend pas bien compte hein, de ce que c'est que cette, ce, ce système de numération, parce que c'est vraiment très très efficace. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec ces 10 chiffres qui sont là, hein, eh bien on peut représenter très facilement n'importe quel nombre, même un nombre très 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 grand. Donc ça, c'est quelque chose qu on, dont on ne se rend pas compte, mais c'est quand même assez, assez génial, hein, ça. Et en plus, cette manière, la manière d'écrire qu'on a est vraiment très facile à comprendre euh, assez immédiatement. Alors là, par exemple, euh, si je veux représenter ce nombre 37, ben je vais me dire j'ai déjà 3 paquets de 10, donc je vais mettre un 3 dans ce qu'on va appeler la place des dizaines. Hein. Donc je place ici. Ce 3 qui est là va veut dire il y a 3 dizaines dans mon nombre. Et puis juste à droite de ce 3, hein, qui représente le nombre de dizaines, je vais mettre le nombre d'unités. Alors ici j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc ici je vais mettre un 7 dans la place qu'on va appeler la place des unités. Voilà, alors évidemment, il bon, ne faut pas se tromper de place. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que lequel, quel chiffre représente les dizaines et quel chiffre représente les, les unités ben, Il faut se rappeler qu'on part toujours de la droite. Donc le premier chiffre, le chiffre qui est le plus à droite, c'est celui des unités. Voilà, ça c'est le chiffre qui est le plus à droite. Alors ensuite, le nombre qui est immédiatement à gauche... Eh bien, c'est le chiffre des dizaines. Donc, la place qui est immé immédiatement à gauche, c'est la place des dizaines, des paquets de 10, hein. groupe de 10. Donc, ici, voilà, ce 3, il occupe la place des dizaines, ce qui veut dire que ce n'est pas 3, hein. ce n'est pas 3 unités, mais c'est 3 dizaines. Alors, on verra dans une autre vidéo que si on, se, si on met un chiffre encore à gauche, eh bien, ça sera le chiffre des centaines. Mais ça, on, on le verra dans une autre vidéo. Alors, ben, en fait, ce qu'on a écrit ici, ce 3 et ce 7, ce 3 et ce 7 du 1000 à côté de l'autre, dans cet ordre-là, ça nous dit exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Hein. Là, on a ce 3 qui représente 3 dizaines, donc c'est ces 3 paquets de 10. Chaque paquet de 10 est une dizaine. Donc les 3 paquets de 10 qui sont là sont représentés par ce 3 qui occupe la place des dizaines. Et puis ensuite, on a les 7 unités qui sont ces 7 euh, traits ici. Alors, ça, on peut du coup l'écrire aussi comme ça. Hein. Puisque c'est exactement ce que ça veut dire. 3 trois, trois dizaines, trois dizaines plus 7 unités. Voilà, c'est exactement ça. On a 3 dizaines plus 7 unités. Les 3 dizaines sont là et les 7 unités sont là. Alors, ça, si on utilise ce on, notre manière d'écrire les nombres habituels, 3 dizaines, on va dire que c'est 30. Et puis 7 unités. C'est 7. Donc, finalement, quand j'écris 37 de cette manière-là, c'est 3 dizaines plus 7 unités. Donc, c'est 30 plus 7. Alors, voilà. Bon, finalement, ici, on a vu un premier système pour écrire les nombres qui est assez basique et qui euh, marche, mais qui est compliqué parce que c'est long, ça prend de l'espace, c'est long à écrire et c'est difficile de voir quel nombre on représente. Et puis, je pense que ça te permet d'apprécier l'efficacité de, ce, de cette deuxième manière d'écrire les nombres qu'on utilise tous les jours, et qui est vraiment très très pratique parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus court, beaucoup plus facile à écrire, et qui est beaucoup plus facile à visualiser. On se rend compte beaucoup plus facilement de ce que, ce, ce que veut dire cette quantité. Voilà, donc j'espère que ça t'aura permis de, de comprendre que notre système pour écrire les nombres est vraiment vraiment très pratique.